nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I do the same thing I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't stop nobody else as good as you. I need you to stay. On est arrivés les enfants. Ouais. Il est 13h, on arrive à notre nouvelle destination Belo Horizonte. On a bien fait notre petite route. Tranquillou. Et là, on arrive et on est tous affamés. Bon, bah on va manger, hein. Allez, vous sortez et vous descendez la glacière et le panier, s'il vous plaît. Ok. On sortira la tente après, hein. Oh mais oui chérie. Il est 13h là quand même. Ok. Je vais descendre les enfants, j'ai trop la dalle. Merci. Astrid, tu sortiras le panier s'il te plaît. Ouais. Du coup bah on prépare tout, on installe tout. Tout le monde met la main à la pâte. C'est ça quand on a faim, c'est que on veut que ce soit le plus rapidement possible. Et du coup bah là c'est l'heure de prendre le festin. Oh, j'ai trop faim moi aussi. T'as des chips cette fois, maman, aussi? Oui, mais c'est des chips bio. Et Mathias? Quoi? Bah, tu fais pas ça, ça se fait pas. Oh. Et voilà le repas. Tout le monde s'assoit, c'est la bonne franquette, vous vous servez. Hop, moi, j'ai pas envie de contrôler là ce midi. Chacun fait ce qu'il veut. Ça veut dire que si on peut danser, on peut. Je vois pas le rapport, mais oui. Je garde le sourire. Pa-la, pa-pa, pa-pa-la, pa-pa, pa-pa-la, pa-pa. Oui, je garde le sourire. Et tu devrais faire un concours de chant. Je suis sûre que tu vas gagner. Moi, je prends du jus d'orange. Moi, je vais goûter. Il y a quoi là-dedans? Ah, du poisson en conserve et de la pastèque. La pastèque, on la mangera après, hein, quand même. Ouais, en dessert. Oui, voilà. Tu t'en occuperas, chérie? Oui. Moi, j'ai du poisson. Ah oui, toi, c'est vrai, t'adores ça. Ah bah oui, j'en raffole. J'ai fait une petite souris, les enfants, ça vous va? Ouais. Mais bien sûr, comme promis à mes abonnés, je fais une petite story. Ça dérange pas les enfants? Enfin, je pense que ça dérange pas. Vu qu'ils m'ont donné leur accord, c'est que ça les dérange pas. Oui, je pense aussi. Attendez, là, on passe pas tous dans le cadre. Chérie, regarde la caméra, s'il te plaît. Astrid, tu caches ton frère Mathias, tu peux venir devant? Moi, j'ai soif. Bah non, on est content d'arriver à la nouvelle ville, là. Je sais même pas comment on se dit. C'est Belo Horizonte, un truc comme ça, je sais pas. On s'en fout un peu parce que là, quand on arrive, on a faim. Mais maman, elle nous demande de faire une story. Bon, voilà, on a le droit de faire ce qu'on veut dans une story quand même. Sauf que moi, je suis pas à la bonne place, on me voit pas, du coup, faut que je me décale. Mais c'est chiant parce que moi, j'ai soif. Enfin, voilà. Là, j'ai le ventre qui gargouille, qui a trop faim, quoi. Non, mais lui, c'est une bête féroce hein, quand il a faim. Je vous promets qu'il faut pas s'approcher de lui. Hein. C'est bon comme ça? Oui, vous pouvez manger, faire ce que vous voulez. Allez, j'allume la story. Et coucou tout le monde, on est bien arrivés. Donc là, les enfants, ils ont très faim. Moi aussi, j'ai très faim d'ailleurs. Du coup, on vous a montré ce matin tout ce qu'il y a à manger. Nous, on va manger notre petit pique-nique. Après, faudra construire le camp. Et puis, on ira peut-être faire une petite promenade. Voilà, voilà. Passez une bonne après-midi. Enfin, si vous êtes en France, ça ne va pas être l'après-midi, là. Mais voilà, passez une excellente journée. On vous fait d'énormes bisous. Je publie ça et après, je mange. J'ai trop faim. Et finalement, les chips, ça, sont trop bonnes. Tu vois, faut pas juger avant.
Putain, je galère tout le temps avec ce sac. Garde ton calme, Roxane. Salut maman. Bon, laisse-moi rentrer là, j'ai plein de trucs. Ah, quel merdier tous ces sacs-là. Alors moi, quand je rentre des courses, c'est toujours la même chose. Et bah, il faut tout ranger. Est-ce que ça peut passer? Ça, ça passe là, c'est super. Souvent, je prends toujours le même sac où je mets tous les produits. Et ce sac, on le met dans un coin du fourgon. Et après, j'ai un sac de produits frais. Ça, c'est mes produits frais, je vais devoir les mettre au congé ou par contre. T'as pris plein de trucs frais? Non, mais regarde la taille du sac. J'ai acheté des Magnum. Oh ouais! Et en fait, on a un petit congélateur intégré. Franchement, c'est hyper pratique. Calmez-vous là, on dirait des gamins. Alors nous, on a horreur des magasins. En fait, on a horreur quand il y a du monde. Enfin, voilà. Le pire, c'est Florent, c'est que lui, ça peut le stresser, en fait. Ouais, ça me stresse. Du coup, c'est plutôt moi qui m'en occupe, qui vais dans les magasins. Ça me saoule, ça me fatigue. Et c'est vrai que quand j'en sors, je suis soulagée. Et à la fois, je suis un peu de mauvaise humeur. Mais c'est toujours comme ça. Après, au bout de quelques minutes, je commence à redevenir normale. Mais c'est vrai que les magasins, c'est hyper chiant. De la viande congelée. Oh, mais t'inquiète pas, ça se mange pas comme ça. Sois pas bête. Alors, tu crois qu'on va vraiment manger de la viande congelée? N'importe quoi. On va que je mette ça au congélo. Oh non, du brocoli, c'est dégueulasse. On essaye de prendre des choses bonnes à manger, mais faut quand même faire découvrir des choses aux enfants. Et on a des enfants qui sont assez difficiles, et surtout ce qui est légumes. Oh non, en plus ici, ils sont pas bons. Oui, un peu de légumes, ça va pas vous faire de mal, je pense. Nous, on déteste les légumes, en fait, presque. Moi, ce que j'aime pas, c'est les brocolis, les haricots verts, le chou, la salade. La salade, ça dépend laquelle. Et moi, ce que j'aime pas, c'est les poivrons, les champignons. Et j'aime pas, c'est les carottes. Dis-moi que c'est pas pour aujourd'hui. J'en sais rien, mais je trouvais que des brocolis, puis de la viande, ça allait bien ensemble, puis les glaces en dessert. J'ai envie de vomir d'un coup. Oh, soyez pas bête. Bon, ça c'est une bonne chose de faite. Donc, mission courte du jour réussie. Et du coup, d'ici 2 jours, je retournerai en magasin. Malheureusement. Hop. Go sur la route, comme d'habitude. Chérie, est-ce que tu peux m'aider à bouger la table et les bancs, s'il te plaît? Alors, aujourd'hui, on fait quelque chose de spécial. Du coup, on organise une petite fête entre nous sur le bateau. Hop, on va la mettre dans le coin, là-bas. Bon, en vrai, ça va, elle est pas très lourde. Hop, par contre, les bancs, on va un peu plus galérer, je pense. Ouais, on les met où? Je pensais les mettre sur la table. Ok. Je m'en charge. Merci. Heureusement que t'es là. Comme ça, moi, je commence à préparer le repas. Ah, c'est en train de cramer, ça. Aujourd'hui, on fête nos 1 an sur la mer. C'est quelque chose qui se fête, quand même. Faut pas faire cramer le repas, sinon on n'est pas foutu. Du coup, on a beaucoup de place quand même sur notre bateau, à l'étage. Du coup, on vire la table pour en faire encore plus de place, pour faire une énorme piste de danse. Voilà, mon amour. Ouais, c'est nickel.
Mais tranquille, les enfants, les entendent pas, ils jouent dans leur chambre. Ouais, ils nous ont tous abandonnés. Et moi, là. Oh, je t'avais même pas vu, ma chérie. Bah, t'es toute mignonne, on t'a même pas entendu. On sait même pas où ils sont, nos enfants, ça se trouve, les autres, ils se sont barrés à l'eau, on sait même pas. Je sais même pas qu'elle était là, elle. M'occupe poisson, moi. Ouais, bah vas-y, occupe-toi un peu de ton poisson. On va bien se nourrir, on va bien danser, ouais. On va bien se poiler. Et B, ça donne très très faim. Ouais. Et toi, du ton côté là, pour la musique, c'est bon? Bah ouais. Bon, on va appeler les enfants, hein, s'ils sont pas en train de dormir. Et les gosses, vous venez? On n'est pas des gosses. Bah, un peu quand même, hein. Et sinon, quoi, vous avez fini? Ouais, appelle tes sœurs, là, on va commencer. Les pizzas vont refroidir. Les pizzas? Oh ouais, il y a des pizzas. Bon, bah avance, parce que là, sinon, elles vont vraiment être froides. On va passer une super soirée. Bah, ça se fait des trucs comme ça, hein. C'est quelque chose qui nous tient à cœur de fêter les 1 an. Parce que, bah, on réalise qu'on a déjà vécu pas mal de choses et que c'est pas fini. Voilà, c'est pas fini. Mais ça se fête, c'est le premier anniversaire, quoi. Puis chez nous, tout est bon pour faire la fête, hein. J'arrive pas à attraper, maman. Tu veux quoi, ma chérie? Coca avec des pizzas à la tomate. C'est bien, j'ai bien compris ce que tu veux. C'est bien, ma chérie. Tiens, la pizza. Bleh, dégueulasse. Tu veux l'autre pizza? Non, on veut pas. Oh non, tu vas pas recommencer. J'en reviens pas que ça fait déjà 1 an qu'on vit sur la mer. Ça passe tellement vite, on fait tellement de choses et on réalise qu'on a vraiment encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance. Et on adore faire la fête, donc ça va être trop bon de manger, de danser, en famille. C'est toujours très bien, ouais. Est-ce que vous voulez de la musique? Ouais! Est-ce que vous voulez danser? Ouais! Et on fait péter le son là, hein. My bestie and your bestie sit down by the fire. Your bestie says she want party, so can we make these flames go higher? Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go on it. Chucking more fina anane, chucking more fina ne. Start my truck, let's all jump in. Here we go together. Nice cool breeze with big palm trees. I tell you life don't get no better. Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go ane, chucking more fina anane, chucking more fina ne. Okay, your mama gwele, step on the dancing floor. Be winding, DJ rewinding, take it to the island way. Get your baby mama, put on your dancing shoes. So I'm on my own now, passing through faces, stumbling to downtown, far from the pavement. Cela fait maintenant 2 mois qu'on vit en Espagne. Et cela fait quelques semaines qu'on partage notre quotidien fou sur à la télé. Bonjour, je m'appelle Camille, j'ai 35 ans, je suis secrétaire. Bonjour, je m'appelle Bruno, j'ai 38 ans et je suis vignoble. Il y a 2 mois, avec notre famille, on s'est lancé un défi extrême de partir pendant 1 an en voiture visiter toute l'Espagne. Donc nous, on a une organisation vraiment très précise. Donc nous, on a une organisation de précise de ce qu'on veut mettre dans le coffre, comment on les met... tout ce qu'il y a là-dedans, donc voilà. Nous, bah, vu qu'on est dans une voiture, logiquement, bah, il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de robinet, il n'y a rien, il n'y a pas de truc pour chauffer les repas. Donc du coup, bah, on est obligé de se garer
près d'un camping. Et en fait, on a cette organisation depuis le début. En fait, dès qu'on s'est dit on part en Espagne, organisation. Bon, les enfants, vous avez tout pris, vous avez bien pris toutes vos affaires. Enfin, il vous manque rien. Ouais. Mais du coup, est-ce qu'on peut jouer avant de partir? Après, on y va. Mais oui, mais il faut bien que le chien il se décharge. Déjà, il va pas se décharger, il va se défouler. Et en plus, dans ce gros défi, on a embarqué notre chien. Allez, Sticky, je vois mon pépère. Nous, on adore vivre dans la voiture. Franchement, c'est une belle expérience. En plus, on a emporté notre chien, c'est trop mignon. Toi aussi, tu veux profiter du coup. Mon petit Sticky. Ces dernières semaines, Candice a fait un peu sa rebelle. Elle est chiante, il faut le dire. Elle veut montrer qu'elle est là, elle veut faire sa chaise, sa commandante. Bien sûr, on essaie de tout faire pour l'arrêter, mais bon, vu ce qu'elle nous a fait comme coup, voilà quoi. Je vais me mettre à côté de maman. Bah oui, mais on aimerait bien aussi être à côté en amoureux, quoi. Toi, tu vas être à côté de ta sœur, en face de maman, si tu veux. Tu arrêtes maintenant! On est dans un restaurant, alors t'arrêtes! Mais vas-y, y'a personne qui nous entend vu que c'est privé! Maintenant, tu t'assois à côté de ta sœur, sans discussion, tu te dépêches! Parce qu'elle arrête pas de me faire des crises, de pleurer pour rien. Donc, je me suis un peu énervée parce que on est dans un restaurant, donc je pense qu'on est à 40. On est là pour vous faire plaisir si tu nous. Si toi t'es pas sage, tu rentres dans la voiture! Méchant. Méchant, oui. J'arrive pas à monter! Arrête de crier! Voilà! Chocolat! J'ai rien fait. Just me! Et là, en fait, c'est le drame parce que j'entends qu'il y a des adultes qui s'engueulent et du coup, je me retourne. Hola! Hola, si? Tu hija de Roca RS Pastel! ¿Qué? Lo siento. Tienes que pararlo. Sí, por supuesto. Gracias a Dios. Désolée, mais tu as fait tomber le gâteau. Vous allez devoir la repayer, machin. On dit, mais t'es sérieuse là? On va faire comment maintenant? Bah, pour la paix, on va aller payer le gâteau. Et tu sais quoi, on fera les courses plus tard et tu reviendras plus jamais avec moi. Arrête de chouiner. Je suis en train de regarder pour chercher à manger. Et toi, tu fais quoi? T'écrases la nourriture? Non, mais c'est quoi ça? Elle est froide, l'eau. Non, elle est chaude. Maman, t'es bête, hein, t'as tout oublié là. Je te rappelle que c'est à cause de toi que je suis un peu tête en l'air quand j'ai fait les courses. Hein, rappelle-toi. Maman, je l'aime bien, mais en fait, j'aime pas parce que, en fait, elle arrête pas de me dire des mots. Et puis, en fait, elle arrête pas de crier dessus. Et du coup, moi, j'en ai un peu mal. Du coup, voilà, moi, je fais ma chiante parce que je veux qu'elle comprenne que, voilà, quoi. C'est pas à toi de décider, hein. Calme-toi un peu, hein. Ouais, bon, allez, viens, on va se défouler. Allez, viens, Sticky! Ils sont mignonnes quand même. Hein. Et nous, on adore vivre en Espagne parce que c'est trop cool. Et vu qu'on part que 2 ans, en vrai, j'aimerais vivre toute ma vie en Espagne parce que c'est trop chouette. Même si on n'arrive jamais à parler espagnol, on n'y arrivera jamais, je crois. Mais non, faut pas se décourager. Configura amigos franceses. Alors nous, c'est vrai que quand on était petits, on a fait de l'espagnol. Mais c'est vrai que c'est un peu dur de se replonger, on n'a pas trop l'accent espagnol. Ça fait 2 mois qu'on galère en Espagne, donc voilà. On a choisi l'Espagne parce que c'est un très beau pays qu'on adore, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. Si, por favor. Que quieres? Avec leur accent pourri, je veux pas dire, mais ils savent pas très bien parler. Una coca y a diablo de fresa. C'était trop bien tous les... Ouais, c'était trop bien. Au revoir les caméramans! Adios! Adios.
nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I do the same thing I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you.